examine the reasons I left the comfort of Kaldahar for a journey to Deepingdale, the place of Isildur's birth. It is much like the assignments given to me by Uncle Oswald and Isildur himself. When Isildur left those lands near the Inner Sea for the spine of the world, he told his fellow druids he would send a student to replace him. This, I told myself, was why I left. But now, as I sit by the warmth of a fire in Mirabar, I realize what Isildur must have already known. I remember the details vividly. It started many years ago. The year was 1310 Dale Reckoning, when scouts from Burn Shander, the largest of the Ten Towns, first reported sighting goblin warbands. Within weeks, a river of goblins had flowed forth from the spine of the world, and above that wave of death sailed a banner bearing the monstrous heads of the Chimera. The militiamen of the Ten Towns would have been the Dale's only defense had the forces of fate been against Burn Shander. But Ulbrecht Dinsmore, the mayor of the town of Targos, urged the council to send a messenger south to the port cities of Laskan and Neverwinter. Laskan had problems of her own, but fearful of repercussions, the captains of Laskan devised a simple plan. Throughout the city, they posted notices promising wealth and fame. With lean work in the northern port city, many mercenaries and thugs were lured to the ships that would take them even further north. And so their ships crept through the sea of moving ice and onto the Shaingarn River. They bragged of the deeds they would perform and the castles they would purchase. Lost in their reverie, they were blind to the throngs of goblins and orcs that lay in wait. Only a few ships survived the assault. Those that continued up the river watched as the town of Bremen burned. One of the Ten Towns had already fallen. Many wondered, as I often wonder, what difference only a few can make against so many, and in the midst of such terrible circumstances. Eh ben, salut tout le monde. Aujourd'hui donc un jeu auquel je n'ai jamais joué, que je me suis procuré sur GOG là très récemment, Icewind Dale 2. Donc c'est un jeu que j'avais envie de jouer depuis bien longtemps. Puis là j'ai profité des soldes pour le Black Friday. Du coup concrètement, on va pouvoir s'y mettre. Je garantis pas un let's play complet, je ne connais pas le jeu. Même si c'est de l'Infinity Engine, même si j'ai fait Icewind Dale, promis du nom, plusieurs fois. il se peut que celui-ci ne me plaise pas, je n'en sais rien. Donc, Icewind Dale 2, pour le peu que j'en sais, c'est Icewind Dale, hein, donc on va être sur de l'Infinity Engine, comme je le disais. On ne sera pas sur du Baldur's Gate. Les Baldur's Gate, c'était plutôt exploration, jeu de rôle, découverte, open world, enfin au moins de manière plus ou moins limitée. Les Icewind Dale, c'est pas ça, c'est linéaire, c'est une route, un chemin tout droit, jalonné de centaines de mobs que vous sur la gueule desquels vous foutez joyeusement. C'est que du combat, du donjon, du combat. Mais on va voir ce que ça va donner. Sur Icewind Dale 2, les règles ont changé. Donc celui-ci date de 2002. C'est le dernier jeu Infinity Engine. Et c'est en même temps le premier jeu qui rompt avec les règles... Infinity Engine, s'entend ? Qui rompt avec les règles ADD. C'est-à-dire Donjons et Dragons 2ème édition. Qui étaient les règles qu'on avait connues sur Baldur's Gate, hein, par exemple. Et donc là, on part sur les règles de la 3ème édition. Et on va voir ce que ça va donner, puisque je ne suis pas forcément un expert des règles de la 3ème édition non plus.
Donc on va jouer en mode single player, hein, évidemment. De toute façon, c'est un jeu sur lequel, comme sur le premier Icewind Dale, vous créez en réalité les 6 personnages du groupe. Il n'y a pas de PNJ à recruter. Alors, oui, on est en single player. Hein. On peut jouer comment sur ce jeu? TCP/IP, IPX. On peut pas jouer en hotseat? Bah non, ça risque pas, connard. T'as pas réfléchi un peu? Alors, new game. Donc on va faire. Alors il y a des parties prédéfinies. Hein, Ladies Lament, un Bard, un Fighter, Force 20, Dex 16, Constitution 16. Dex 16 sur un Fighter, je vois pas l'intérêt. Ah si, la Move Silently, ouais, donc ce sera un guerrier un peu fufu. Ok, Katia, Barbare, Force 18, Dex 14, Constitution 14, t'as pour un Barbare, c'est pas terrible tout ça. Les Sisters of the Blood. On a quoi? Un Drow Cléric. Constitution 10. Waouh. Toi, tu dois faire mal, toi. Toi, t'es un barbare. Force 20, Dex 12. Constitution 14. Mais les barbares, ils sont en armure légère. Faut leur donner de la constitution, justement, les gars. Bon, bref, on va faire notre partie à nous. Et alors, comme c'est les règles 3ème édition, je sais pas exactement. Je pense qu'on va faire assez typique, c'est-à-dire deux guerriers, deux mages, un voleur, un clerc. Ça me semble pas déconnant. Et je me demande si sur les deux guerriers, je vais pas faire un guerrier clerc. Parce qu'il me semble que les règles de la troisième édition sont quand même relativement favorables au multiclassage. Alors, donc on va commencer par faire un barbare. Toi, t'as une bonne tronche de barbare. Toi aussi, mais toi, t'es un elfe noir. J'ai pas envie d'un elfe noir, s'il vous plaît. J'aime pas les portraits sur la série des Icewind Dale, c'est un truc de fou, quoi. Sachant que je fais un demi-orc en même temps. Pour le barbare. Toi, t'as une tronche, t'as une tête d'hydrocéphale, mec. Toi, tu fais bien barbare. y a beaucoup de portraits, par contre, hein. Toi, tu fais barbare aussi. Moi, je prends lui. Même s'il fait pas spécialement barbare, c'est pas grave. Alors, on va faire un half-orc. Pourquoi? Donc, les half-orcs, moins 2 intelligence, moins 2 en charisme. Bah, ça pique. Mais quand vous êtes barbare, vous en avez rien à foutre de ces caractéristiques-là. Par contre, plus 2 en force pour un barbare, forcément, c'est ce qu'on va rechercher. Lui, on va prendre pas le multiclassé. Alors, le barbare, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est compétent avec toutes les armes. Oui, bon, ça on s'en doute. Les armures light et medium. Il me semble que les barbares n'ont pas le droit de porter les armures lourdes. C'est pour ça qu'on va lui mettre du 14 en dex au barbare. L'une des modifications les plus importantes en termes de gameplay au combat mêlé, me semble-t-il, sur la troisième édition, effectivement, c'est que sur ADD, votre personnage, il y avait des bonus, hein, liés donc à ses caractéristiques, et en particulier la dextérité lui donnait un bonus à la classe d'armure. Or, et ce bonus donc s'appliquait tout le temps, hein, avec quelle que soit l'armure, etc. Sur la troisième édition, c'est plus vrai. Le bonus de dextérité s'applique totalement uniquement si vous n'avez pas d'armure. Dès que vous avez une armure, cette armure limite le bonus de dextérité que vous pouvez avoir.
Il me semble que pour les armures de plaque, le bonus de dextérité est limité à 0. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 25 en dex, bah vous aurez 0 de bonus à la classe d'armure parce que vous êtes en armure lourde. Donc, si vous voulez faire un personnage qui ambitionne d'être en armure lourde, faut surtout pas lui donner une grosse dex. C'est des points de stats perdus. Alors, c'est certainement bien pour certains jets de sauvegarde, hein, on est d'accord, mais vous n'aurez pas de bénéfice à la classe d'armure si vous le faites. Voilà. Bon. Du coup, comme le barbare lui peut pas être en armure lourde, il pourra avoir éventuellement peut-être une cote de maille. Et les cotes de maille donnent des bonus à. Enfin, peuvent profiter de bonus à dextérité, mais je ne saurais dire à quel point. Alors, la rage de barbare. Il peut s'enrager une fois par jour enfin, tous les 4 niveaux. Parce qu'il a un bonus de constitution et de force pendant 5 rounds. Ça lui donne une pénalité de classe d'armure. Non, sans déconner. Ainsi que plus 2 au sauvegarde de volonté. Après sa rage, le barbare sera fatigué pour une période de temps qui diminuera avec ses niveaux. Le barbare se déplace plus vite. Barbare. Deuxième niveau. Les barbares conservent leur bonus de dextérité à la classe d'armure s'ils sont attaqués par des ennemis invisibles. Oui, parce que face aux ennemis invisibles, le bonus de dextérité n'est plus pris en compte non plus. Au cinquième niveau, les barbares ne peuvent plus être attaqués par les attaques furtives par les rogues, à moins que les rogues n'aient 4 niveaux de plus que le barbare. Et au onzième niveau, réduction des dégâts, le barbare gagne un point de réduction des dégâts et un autre point tous les 3 niveaux suivants. Au quinzième niveau, rage améliorée. Au 20e niveau, rage sans fatigue. Ok. Les barbares gagnent des feats moins vite que les fighters et ils n'ont pas de proficiency en heavy armor. Ouais, bon, voilà quoi. Alors, un barbare, on va prendre Chaotic Good. Un barbare ne peut pas être loyal. Abilities, donc voilà les stats. Alors, la sagesse, l'intel, le charisme, voilà quoi. On s'en tamponne. Par contre, on veut de la force, on veut de la constitution. Et en dex, je veux 14. Voilà, histoire d'avoir un plus 2 sur les bonus de dex. Et on va quand même mettre plus. On va quand même mettre 8 en intelligence et en sagesse. Que la personne soit peu charismatique, on s'en fout. Alors, au niveau des skills, donc là, Donjons et Dragons, 3ème édition. Plein de choses ont changé. La première chose, vous avez vu qu'il n'y a plus de restrictions de classe. Mon perso, il est demi-orc, j'aurais pu en faire un mage, j'aurais pu en faire n'importe quoi. Ça, c'est effectivement une nouveauté. On peut faire un demi-orc paladin, si on veut. Et de la même façon, au niveau des skills, vous avez beaucoup de skills qui sont disponibles. Et en particulier, les skills de voleur. Ne nécessite plus d'avoir un voleur. Parce que vous voyez ici, on a Open Locks, Move Silently, là, qui sont là. Ils coûtent 2 points de skill pour être appris. Mais donc je peux dépenser des points de skill sur un personnage pour augmenter tout ça. Par contre, je n'ai pas les trucs par rapport aux pièges. Alors, c'est search, hein. C'est pour trouver des pièges simples. C'est disable device, je crois. Voilà, c'est ça, pour désamorcer les pièges. Alors, mon barbare. À chaque niveau, me semble-t-il, vous gagnez des skill points en fonction de votre intelligence. Donc, mon barbare, qu'est-ce que je veux en faire? La search, je vais prendre un perso que je montrerai en search et en.
Disable device. Je peux encore kill. Le problème, c'est que là, sur toutes ces, skills, je vais prendre Wilderness Lore, connaissance de la nature, en gros. Alors, en armor proficiency, je pourrais partir sur la heavy armor, mais pour un barbare, non, ça ne m'intéresse pas. Magocratie courtoise. Plus 2 sur diplomatie, bof. Dash, c'est pour se déplacer plus vite. Ça peut être intéressant pour un barbare qui se déplace déjà plus vite. Deflect arrow, ouais, discipline. Dodge, plus 1 en armor class. Je pense que ça, c'est très très bon. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Greater Fortitude, ça c'est un bonus sur jet de sauvegarde. Je pense que je prends Dodge. Toughness, c'est quoi? C'est des hit points. Ouais, logiquement, comme un barbare a déjà plein de hit points, c'est pas ce que je cherchais en plus. Par contre, Dodge, c'est un point d'armor class, et ça va être très bien. L'apparence, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a comme voix? Mec, ouais, ok. Ok. Hop, on va prendre ça. Je suis vraiment pas convaincu par les voix, mais bon. Donc, laissons place à notre bon vieux Gruntar, n'est-ce pas? Notre barbare. Ensuite, nous allons faire un guerrier clair. Je pense, donc on va d'abord en faire un guerrier avant de faire un clair. Intelligent mec. Est-ce qu'on va faire un nain? Est-ce qu'on fait un nain ou un humain? Toi t'as une tronche de hobbit mais bon c'est pas grave. Alors les dwarfs c'est plus 2 en constitution. Plus 2 sur les bonus de recherche. Sur toutes les. Sur tout ce qui est lié à la pierre. Plus 4 dodge. Toi, t'as pas des avantages de moins 2 au charisme. Ça me va. Alors ça, c'est le shield dwarf. Le gold dwarf, c'est quoi? Moins 2 en dex, non merci. Bon, cela dit, il va être en armure lourde lui, donc c'est pas grave. Favorite classe fighter pour tout le monde. Et toi, t'es en moins 4 en charisme. Et du regard, invisibilité une fois par jour. Ah, mais toi, t'as pas des level alignement, des level machin quoi. Immunisé à la paralysie. Oh. Moins 4 en carry, ça je m'en fous. Sensibilité à la lumière. Ah non. Level adjustment plus 2. Ouais, non, 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 non. Ça c'est une nouveauté de la 3ème édition, l'ajustement de niveau. Donc, ouais. Ouais, l'ajustement de niveau, c'est en fait vous gagnez de l'XP comme un personnage plus haut niveau que vous. C'est-à-dire qu'en fait vous faites du level up
plus lentement, beaucoup plus lentement. Ça m'intéresse pas. Alors même si la personne a invisibilité et qu'elle a immunisé à la paralysie, et c'est vraiment très très fort, j'ai quand même envie d'avoir des gens qui level up, quoi. À la limite, si c'est pour faire juste un fighter, non, ça va. Mais pour un jeteur de sorts, être plus bas niveau que ce qu'il devrait, ça va le handicaper sur la quantité de sorts qu'il va jeter. Et déjà que c'est un perso multiclassé, donc il sera déjà pas top au niveau quantité de sorts à lancer. Non, on va partir sur un Shield Dwarf. C'est classique. On a dit en faire un fighter. Alors j'ai pas parlé. Pour chaque race, vous avez une classe favorite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, comme je disais, donc la troisième édition de Donjons et Dragons se focalise beaucoup plus sur le multiclassage. Et qui dit multiclassage va dire donc différence d'écart de niveau entre les deux classes. Or, quand vous avez deux classes, plus l'écart de niveau entre les deux classes est important et plus vous chopez une pénalité d'XP. C'est-à-dire si vous voulez, sur Baldur's Gate, vous pouviez être guerrier niveau 4 et clerc niveau 15. Et ça vous permettait d'avoir quelqu'un de tout à fait bon en tant que clerc, mais qui se battait vachement mieux qu'un clerc classique. C'est intéressant. Sur la troisième édition, si vous faites ça, vous n'avez plus level up. Pourquoi? Parce que vos deux classes ont une différence en termes de niveau. Et plus la différence est grande, et plus vous chopez une pénalité d'XP. Donc faire du multiclasse, c'est bien, mais il faut que vos deux classes restent de niveau relativement proche. Sans quoi, vous allez vraiment, vraiment être très, très lourdement pénalisé en XP. Sauf que chaque race a une classe dite favorite, laquelle n'entre pas en compte dans le calcul de cette pénalité. C'est-à-dire que pour les nains, par exemple, la classe préférée, c'est le fighter. Si vous faites donc un nain fighter cléric, même si vous êtes fighter niveau 1, cléric niveau 15, il n'y aura pas de pénalité d'XP. Par contre, si vous faites un mage illusionniste, si vous êtes mage niveau 1, illusionniste niveau 10, là vous aurez de très 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 lourdes pénalités d'XP. Donc, il faut effectivement ajuster la race au jeu de classe que vous voulez. Donc là, on va faire un fighter tout d'abord et puis on le multiclassera en clerc tout à l'heure. Toi, on va faire quoi? Chaotique bon. Alors, vu que tu vas être en guerrier, on va te laisser à 10 en dex. On va te faire perdre de l'intel, on va te faire perdre du charisme. On va te coller de la force, on va te coller de la constitution, on va te coller de la sagesse. Voilà. Au niveau skill, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Toi, t'es un guerrier, toi. Ah, mais comme tu vas être en clerc, on va te monter en concentration, parce que la concentration, c'est le skill qui permet de lancer des... Enfin, de moins facilement être interrompu quand il lance un sort et qu'il prend un coup. Alors, tête de taureau. Ouais. T'as pas le droit à dodge. Bah non, t'as pas assez en dex. Alors pour l'instant, alors toi tu vas te battre au marteau hein, de toute façon et au fléau. On pourrait te rendre plus balèze au fléau. Le truc c'est que je sais pas si les meilleures armes sur ce jeu seront les fléaux ou les marteaux ou les Morning Stars, je sais pas. Donc, cela dit, est-ce que les clercs ont droit aux épées? Ah, je ne sais pas. Strongback, ça augmente la capacité de port. Bon, vu que tu as déjà beaucoup en force, ça devrait aller. Weapon finesse. D'accord, c'est pour les armes de petite taille. Parce qu'en fait, vu que je compte quand même faire un autre cléric,
Je sais. Bon, t'es fighter, t'auras quand même des feats plus largement, mais si tu. Oh. Honnêtement, je saurais pas forcément dire. Parce que je connais pas forcément les restrictions de classe. Je sais par exemple que les mages peuvent utiliser des armures lourdes sur ce jeu. On va quand même partir en flail. Allez, on va prendre du fléau pour le monsieur. Alors, ça c'est les saving throw réflexes et saving throw contre will. Discipline, ça donne un bonus au jet de concentration et au saving throw contre Will, donc ça peut être intéressant. Je pense que je vais prendre ça, discipline. L'apparence, on s'en fiche. Alors, femme barbare, ouais, t'as l'air très intelligente. Y a pas un mal dwarf quelque part? Ça craint. Pas très nain, ça. Toi, t'as de la conversation, mec. Le nain, on va l'appeler Flint, hein, parce que oui, nous aussi on aime Margaret Weiss et Tracy Hickman. Hein. Ok, bon, là ça fait déjà quasiment une demi-heure, donc pour l'instant on va s'arrêter là. Et puis on revient donc sur la deuxième vidéo pour la suite de la création de personnages. À toutes les gens!